Salut à tous, dans cette vidéo, on va parler du match de demain entre le Real Madrid et le promu Huesca. Donc Zinedine Zidane a convoqué 22 joueurs pour cette rencontre, 3 gardiens comme d'habitude, Courtois, Lounine, Aldobé. En défense, il a fait appel à Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Mendy et Santos. Ensuite au milieu de terrain, on a Kroos, Modric, Casemiro, Valverde et Isco. Donc en attaque, on a tout le monde, et oui, tout le monde en attaque. Hazard, Benzema, Asensio, Lucas Vazquez, Jovic, Vinicius, Mariano, et oui, Mariano et Rodrigo. Donc, il y a toujours Carvajal, Odriozola, Nacho, Odegaard, blessé, j'en oublie d'autres, je crois. Absolument pas droit à l'erreur. Le Real a joué 2 fois contre Huesca, on a gagné les 2 fois, c'était en 2018, 3-2 je crois, et 1-0. Et on a gagné donc les 2 matchs, et voilà, pour la rencontre de demain. Les compos probables, ce sera Courtois au cage, Mendy, Vasquez, les 2 latéraux. Donc Vasquez qui est encore là pour pallier les absences des arrières, arrière droit, donc Carvajal, Nacho et Odriozola. Donc après Ramos et Varane en défense. En milieu, je crois que Zidane va opter l'option Modric. Parce que Modric, il a enchaîné deux très bons matchs. Donc voilà, après Casemiro, Valverde. Et on attaque Hazard, Benzema et Asensio qui complètent donc, notre trio offensif. J'espère vraiment que Hazard ça va marcher cette année. Il faudra vraiment voir comment ça va marcher parce que c'est notre dernière chance. Voilà, la dernière chance. Parce qu'après, si Hazard marche pas, on n'a rien en attaque. On a vraiment rien en attaque. Côté adverse, donc l'adversaire ça sera Huesca, équipe promue. Mais voilà, donc ils sont montés en 2018-2019, ils sont redescendus et cette année ils sont là donc. Pour Huesca, ça sera Fernandez au goal, Galan et Maffeo, Suovas, Pulido en défense. Donc ça sera un 4-2-3-1, Mosquera et Rico au milieu. Et pour leur animation offensive, ça sera Garcia, Mir, Ferrero et Sandro en pointe. Je pense que c'est Sandro Ramirez du Barça, mais je suis pas sûr. Il faudra vérifier ça, donc je crois que c'est lui, donc faudra faire attention. Et mon pronostic pour ce match, ça sera un match... difficile, mais je pense que le Real va le faire et je pense qu'ils vont faire une victoire convaincante. Ils vont vraiment nous convaincre avec cette attaque. Après, il faudra voir si ça va marcher. Et je pense que le Real va gagner 3-0. Ça sera sur le score donc de 3-0. Et je pense que ça va marquer des buts. Donc, les buts, ça va venir d'attaque. Je pense que ça va être Asensio, Hazard et Benzema. J'espère ne pas me tromper ou me tromper positivement. Donc, un 5-6-0, ça sera magnifique. Après, donc voilà, donnez-moi dans les commentaires vos pronostics pour ce match pour voir un peu ce que vous pensez de ce match. Et sur ce, on va se retrouver après le débrief de ce match. Donc, salut!